Salut, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est qui? Alors là, on va parler d'un jeu... Un jeu vidéo, Babip. Destruction Derby 2. Oh. Donc c'est un jeu... moi, c'est un grand jeu pour moi. Déjà, parce que c'est un jeu... C'est l'un des seuls jeux de course que je supporte. Parce que je suis pas très friand de jeu de course. D'ailleurs, ici, au Mogi Spichot, très peu de personnes, à part ses amis, kiffent ça. Alors, je remets pas en cause les qualités du genre. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment un style c'est qu'on connaît pas, et ben nous on aime pas trop, mais il y a de temps en temps des petits jeux que franchement moi je kiffe. Alors dès qu'il s'agit d'être dans des bagnoles et qu'on castagne tout, je réponds présent. Putain, un esprit aussi surtout si c'est du stocker et qu'il y a de la bière. Il y a de la bière et que c'est américain. Et donc franchement Destruction Derby, du moins le 1 et le 2ème, parce que toutes les suites, même à partir de Destruction Derby Raw, donc le 3ème volet qui était sorti, moi je l'ai acheté et j'étais très déçu du troisième volet. Mais là on va parler donc du second volet. C'est certainement, à mon sens, le meilleur. Le meilleur, oui, le meilleur. J'ai pas peur de le dire. Oui, allez-y, posez des commentaires. On me bat les couilles. On va vous attendre. De toute façon, moi aussi, j'ai des voitures de stock car, j'irai vous défoncer la gueule. Donc pour dire, donc c'est un jeu sorti sur PlayStation et PC. Donc moi, j'avais la version PlayStation, donc comme beaucoup de monde, hein, comme beaucoup de petits rookies. Ah oui, des rookies qui nous écoutent. Et sorti en 96. En 96. Moi, j'avais en 96 que j'avais eu la PlayStation en 96, justement. Et ma soeur me l'avait prêté. Ouais, il est assez joli. Il a relativement bien vieilli. Parce que tout à l'heure, alors c'est moi qui fais la capture et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Hein, parce que des jeux comme ça court pas les rues. Et surtout parce que les derniers, comme je disais, Destruction Derby Raw et l'autre, la Destruction Derby Arena, qui était mauvais, si on peut dire, ce deuxième volet était très bon. Donc on avait déjà fait une vidéo avec Twinnie et d'autres pour Destruction Derby 1. Donc c'était un jeu développé, donc le 1 comme le 2, par d'ailleurs les deux premiers sont les seuls développés par Reflection, donc studio que moi j'aime beaucoup parce qu'ils ont surtout fait plus tard Driver, le premier Driver, et le deuxième, et le troisième aussi, et même le quatrième, je crois, le Parallel Line, mais du moins ils ont surtout fait le premier qui était magnifique, Driver 1, qui est un des meilleurs jeux sur PlayStation, titre personnel, qui était ouf, simplement ouf. Et on retrouve même le même moteur physique, ou à peu près, que Driver, enfin qu'on retrouvera dans Driver quelques années plus tard. Donc Reflection, donc là c'était quand même Psygnosis qui éditait ça, donc Psygnosis, studio anglais, aujourd'hui défunt. Donc, vous savez, cette fameuse chouette, le logo c'était une chouette, qui ont quand même sorti des titres mythiques comme Wipeout, Colony Wars et plein d'autres jeux ouf. Et voilà, donc là on en revient à Destruction Derby 2. Donc quelle admiration par rapport au 1. Donc déjà bon. Pour plus de castagne déjà, plus de caisse, plus de guerre, plus de violence, plus de bière, plus de bière, et surtout plus de voitures qui volent, parce que dans le premier Destruction Derby, le principal défaut, on était impressionné à l'époque, tu sais, parce que le premier était sorti, c'est impressionnant, le fait de la déformation des véhicules, le fait qu'on puisse se castagner, etc., que les voitures se pètent, via, comme on voit en bas à droite, là, on voit une représentation de la voiture, et chaque point vert, en fait, représente différents points donc de localisation sur lesquels on peut apposer des dégâts, auxquels les décors ou les adversaires peuvent vous apporter des dégâts. Donc plus... Alors là, c'était pas subtil, hein. Putain. Et plus vous faites défoncer un point, et plus ce point se fait bien défoncer, et plus il devient inutilisable. Alors si par exemple l'arrière se fait trop défoncer, j'aurais du mal à rouler par exemple. Alors déjà qu'à la base le jeu est pas forcément très maniable, parce que il est très sensible par la voiture, elle se barre au quart de tour assez facilement. Donc si jamais je me fais niquer par exemple bien à l'arrière, je perdrai une roue, etc. Si je perds une roue arrière, je vais constamment tourner à droite, etc. Donc vraiment t'avais un moteur physique, des localisations de dégâts qui étaient extraordinaires. C'était vraiment extraordinaire ce point-là. C'était extraordinaire. Donc je le répète, extraordinaire. Je le répète encore une dernière fois, je m'en bats les couilles. Extraordinaire! Oui, c'était mortel. Oui, mais derrière le jeu vidéo se cache quand même un des sports américains les plus beaufs qui existent. Le stock car, où des américains obèses boivent de la bière en regardant des bagnoles se défoncer les unes entre elles. Et ça, c'est merveilleux. Le jeu, déjà à la base, le commentateur du jeu, parce que le jeu est commenté, il y a un commentateur qui commente ce que tu fais. C'est un mec qui était un commentateur à l'époque, qui s'appelait Paul Page, donc qui était commentateur de ABC Sport, donc dans les années 90 surtout. Donc c'était la petite anecdote. Donc ce jeu-là, par rapport au premier, donc
Donc comme je disais tout à l'heure, donc le premier était formidable et tout, mais les voitures restaient collées au sol, tu vois, ça c'était le défaut du jeu. Et là ils ont amélioré leur moteur physique, ce qui fait que maintenant les voitures volent dans tous les sens. Alors là ils sont lâchés, parce que des fois tu fais des trucs genre lors d'une pente, une bagnole qui te rentre dedans, tu voles dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est justement ça qui est génial, c'est que c'est pas réaliste, mais malgré tout t'as quand même une impression que les voitures elles sont lourdes, tu vois, c'est pas comme le jeu là qu'on avait testé il y a un petit bout de temps qui s'appelait Demolition Racer, qui était également un jeu de stock car, mais où là t'avais l'impression que c'était des voitures d'aluminium qui volaient n'importe comment, où le moteur physique n'était pas convaincant, ce qui fait que c'était à chier, alors que c'est tout l'intérêt justement de ce style de jeu, donc voilà, qui est très peu représenté malheureusement, parce que moi j'aime bien. Mais ce deuxième épisode pour moi représente l'apogée du jeu de stock car. Ça fait un peu beau. C'est pour moi, oui je suis connaisseur, messieurs, du jeu de stock car, donc ça fait tocard et beauf de dire ça, mais moi je sais que Destruction Derby 2 pour moi c'est le meilleur jeu, enfin le moins que j'ai joué de stock car, et c'est le seul, et donc c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Donc le jeu était extrêmement difficile, donc il y avait plusieurs modes de jeu. Là, bon là c'est le mode stock car justement, où depuis tout à l'heure vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il revient ce connard, mais Mogi t'es qu'un pauvre trou du cul ou quoi, pourquoi tu reviens en arrière? Eh bien, après en jouer, non, parce que là en fait il y a différents modes, et là j'avais mis le mode où le but du jeu n'est pas forcément de terminer premier, mais d'avoir le maximum de points. Donc il me semble que même si tu finis tout premier, ça te rapporte des points, mais le but du jeu est aussi de défoncer les autres véhicules. Donc c'est pour ça que des fois je reviens en arrière pour espérer défoncer des gens, et ça me rapporte des points parce qu'on voit marquer race point, et voilà. Et là je m'amuse à faire des figures parce que là c'est le circuit que je préférais, c'était le deuxième circuit, c'était le Choc Canyon, où le truc était bosselé, etc., et c'était génial. Le taux de subtilité du jeu, il doit être égal à zéro à peu près. C'est excellent. Je défonce des caisses. Alors qu'un mec, je veux qu'un mec fan de Gran Turismo, il dit oh, non, toi, putain, t'as un gros jeu de merde. C'est aucune technique, hein. T'es qu'un pauvre bœuf. Ton quart de merde, Mogi de mon cul. Ou alors là, on est un peu vulgaire parce que bon, c'est une vidéo. Une vidéo rigolote de beauf, donc c'est triste, donc bon, on est tous parfois un petit peu beau, bah là nous on exprime notre petit taux de beau, notre beaufitude à travers ce jeu. Donc et là j'ai fait un truc, oui j'ai fait un truc joli là. Oh l'envol, joli, oui, très beau. On peut faire des très belles figures avec le moteur physique, et c'est ça qui a été très drôle justement dans le jeu, c'est qu'on pouvait se mettre à l'atterrissage des bagnoles qui vont très très vite pour vraiment se faire défoncer et décoller, et c'était vraiment l'intérêt du jeu, c'était de se faire défoncer la gueule quoi. Et ouais, et c'était ça qui était génial, tu volais dans tous les sens. Donc là on voit que je maîtrise un peu le jeu quand même. Mais pourtant ce jeu c'était pas forcément même, c'était très difficile, parce que bon là vous voyez, bon là je suis dans les stands pour réparer. Alors là vous voyez que je peux sélectionner différentes parties et appuyer très très vite sur X pour pouvoir réparer un maximum de dégâts comme on a pu le voir. Et là malheureusement bon bah je me suis un peu foiré, mais je repars. Donc voilà, après je repars de belles scènes pour défoncer d'autres gens. ouais, c'est comme ça. Donc ouais, c'était pas évident du tout, parce que justement comme les autres concurrents se défoncent entre eux aussi, donc parfois il y a des véhicules qui sont tournés sur la route et toi comme un con tu te fais avoir. Et donc voilà, il y avait d'autres modes de jeu aussi. Bon, bah, y a le mode que j'ai expliqué, le mode où on se défonce la gueule. Il y a le mode stock car où là il suffit de faire des courses, donc à faire gaffe de pas se faire défoncer et essayer d'arriver le meilleur dans le classement, donc essayer d'être premier si possible, ou dans les trois premiers. T'avais aussi un mode championnat, etc., qui était très très sympa. T'avais pas mal de courses, je m'en souviens plus du nombre exact, mais t'en avais 6, 7 ou 8 par là. Et d'ailleurs, la dernière elle était bien difficile, où il y avait plusieurs embranchements différents qui étaient bien bien sympas. Donc là, alors là c'est le niveau Liberty machin, qui était la course de nuit où il y avait le World Trade Center, et oui à l'époque. c'est triste, c'est glauque. Et oui, et voilà. Et t'as aussi le mode, un des modes que beaucoup de gens aimaient, parce que comme c'est un jeu de bourrin, et bah il y avait les arènes, donc qui étaient formidables. C'était un des trucs où on passait le plus de temps, où on se défonce la gueule. Donc le but du truc des arènes qu'on verra tout à l'heure, parce que tout le monde, je vous en montre. C'est de se défoncer la gueule. Donc il y avait un mode de joueur, mais qui était pauvre, parce que c'était à l'époque PlayStation en fait, de cette époque PlayStation, où les jeux, pas mal de jeux de joueurs étaient pauvres, parce qu'en fait il fallait avoir deux consoles, deux exemplaires du jeu, il fallait avoir deux télés, ouais, et le câble Link pour pouvoir y jouer. Et ça c'était pauvre. Il y avait aussi ça pour Wipeout 2097, etc., et c'était vraiment à chier. C'est vraiment cette époque là où il y avait aussi des jeux en écran splinté ou sur le même écran, enfin, ou sur, je veux dire, comme Overboard par exemple, qui est sorti plusieurs mois,
de nombreux mois plus tard, mais qui est par exemple un jeu, c'est une espèce de jeu avec les petits bateaux où tu vois sur le même écran, enfin je veux dire pas un écran splitté mais le même écran ou les Bomberman, etc. Mais sinon t'avais ces jeux là où ils auraient pu se casser la tête pour pouvoir quand même faire un écran splitté. Ça aurait été la moindre des choses. Alors que dans Destruction Derby 3, qui est beaucoup moins bon, là ils l'avaient intégré par exemple. Donc là on va voir. Donc sinon, je reviens aussi sur la difficulté du jeu qui était ahurissante. Par exemple, comme le jeu, comme il y avait un moteur physique assez sensible et tout, parfois genre tu te foirais un tout petit peu, genre sur une sur un tournant, et ta voiture elle tournait au quart de tour, et si par malheur t'avais des concurrents derrière toi qui défonçaient l'arrière, et t'étais dans la merde et ta voiture se retournait et tous les autres mecs derrière te doublent, et après pour réussir à revenir il faut en chier. Oh là, où je vous dis, moi ça m'est arrivé. Ouh, putain, des tonneaux, tout ça, j'en ai eu. Hein. Oh là là, les mecs, j'en ai eu. Hein. Alors là, c'est cette fameuse dernière course. J'ai des cicatrices après que les tonneaux, les gars. Je me suis pris des portes. Ah, j'ai le nez cassé aussi. Mais ça, je te dis pas. Ça, c'est mon père, il s'est vénère à moi. Parce que j'ai cassé sa voiture toute neuve. Aussi, dans les trucs un peu relous, je trouve, c'est au niveau du cliché. Genre, ah, il y a des bagnoles qui se défoncent, les mecs, ils aiment le thrash metal. Donc les musiques étaient exclusivement du thrash metal. Ça, c'est un peu relou, c'est comme Fight Night Rune 3, par exemple, sur 360. Les mecs qui font les musiques, c'est Tonscan de je sais plus le nom que je ne connais pas dans cette Moi non plus, je connais pas. Et en tout cas, c'est des vrais mecs, enfin, c'est des vrais groupes de thrash metal. Mais c'est comme là récemment sur Fight Night Rune 3, ils ont dit, c'est de la boxe, c'est des blacks qui mettent des patates, on va mettre du rap. Et voilà. Ça, je trouve que c'est un peu relou de taper dans ces clichés. Exactement. Je préfère les jeux où il y a un panel de musique plus large. Qui correspondent pas forcément avec la discipline, mais au moins qu'ils élargissent un peu le panel et qu'ils tapent pas dans un cliché genre il y a de la bière, du thrash metal. Donc voilà, c'est un peu de la bière. C'est depuis tout à l'heure on parlait oh et ça je l'ai fait exprès de vous le mettre. C'était juste pour ça que je vous ai mis ce dernier circuit parce que je trouvais ça stylé et je me rappelais qu'on pouvait faire des trucs vraiment stylés au niveau des figures qui ne servent à rien, mais donc voilà. Donc là, arrête pas Karina, on va se défoncer la pine. Donc là, alors le jeu parfois ramouille, donc c'est l'un des défauts du jeu. Donc bon, techniquement c'est sympathique, enfin au-dessus de la moyenne pour un jeu PlayStation. Et le moteur physique tuait. Mais par contre, parfois il y avait quelques petits ralentissements, parce que comme il y avait plein de véhicules qui se défoncent, il y avait des particules de bagnole, enfin de carrosserie qui tombent par terre et tout. Donc ce qui fait la console avait un peu de mal à calculer des fois. Pour 96 par contre c'était pas mal. Donc voilà, en tout cas je l'avais en 96, alors par contre je m'en souviens plus si c'est que la version US qui sortait en 96 ou... Enfin moi je l'avais en tout cas en 96 donc, en tout cas. Et voilà, donc là on voit le but du jeu, se défonce à la pine. Moi j'étais la voiture, donc il y avait plusieurs choix de voiture aussi. Il y avait la rookie, il y avait l'intermédiaire et la pro qui était jaune là. Et comme on voyait au tout début, ce que je sais pour tout début de la vidéo, je vous le présente. Et non, franchement c'est vachement drôle comme jeu, hein. On dirait pas parce que je suis Mogi, et qu'en général Mogi joue à des jeux, entre guillemets, il joue à Silent Hill, ou il joue à des RPG, Final Fantasy, ou Xenogear, et des fois Mogi joue aussi à des jeux de teubé, un jeu de Destruction Derby 2, et j'assume complètement, et, mais c'est parce que c'est très drôle hein, de temps en temps. Non mais je voulais noter un petit truc. En fait je reviens un peu sur des propos que tu as tenus en début de vidéo. C'est le fait qu'on retrouve plus ce genre de jeu. C'est impressionnant parce qu'avant à l'époque de Destruction Derby c'était vraiment la mode avec t'as dit Demolition Racer, t'avais aussi Carmageddon qui était une variante un peu chelou mais ouais effectivement. Il était assez kiffant, je crois aussi. Mad Trunk non aussi. Oui, il y avait Vigilant 8, enfin bon qui a rien à voir mais on va dire qu'il y avait un esprit de jeux de bagnole étrange et tout, où t'avais les Twisted Metal sur PlayStation, c'était très beau aussi, et t'avais plusieurs styles de jeux comme ça, où t'avais des bagnoles avec des guns ou des bagnoles qui se défoncent, enfin il y avait pas mal de choses avec des bagnoles avec quelque chose en tout cas, des bagnoles, bien dit. Des grosses bagnoles qui tapaient, la speed. Alors là, ce terrain là, parce que bon, attends, excuse, je vais te couper, il y avait 4 arènes disponibles, et celle-là c'était la dernière arène où il y avait un trou au bout, et le but du jeu c'était de rester vivant le plus longtemps possible, c'est pour ça que je suis un petit peu mon mec un peu vigilant. C'est-à-dire que un peu français. Et vous voyez, je suis français, hein. Je suis désolé, donc je me cache. Des fois, je savais qu'il fallait rester le plus vivant possible. Donc des fois, il fallait juste fuir les autres ennemis. Et des fois, dès que t'en voyais un au bord du truc, je vais arriver, j'ai foncé dans le cul. Comme je vais le faire à la fin.
Mais aussi au niveau des jeux de bagnoles violents comme ça, il y a eu quand même les Flatout qui étaient sortis, 187 Ride or Die, même si c'était... Et Lady Di 98, oui. Même si en général c'était de la merde, la blague de très mauvais goût, on est désolé. Je suis désolé. Donc c'est, y en a eu pas mal quand même qui sont sortis, mais je pense que les jeux de stock car, ils restent aux États-Unis parce que chez nous, le stock car n'est pas du tout démocratisé, contrairement aux piliers de pont. Voilà, c'est tout. T'es bien sur les Didi. Ouais, c'est dommage parce que c'est assez trippant. Peut-être qu'il y a Famille de France aussi qui est passée par là, on sait jamais. Mais c'est vachement dommage. J'aurais bien voulu découvrir des jeux plus intéressants, surtout vu les moteurs physiques qu'on a maintenant. Bah, il y a quoi, Burnout encore un peu, mais bon, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on va dire, on a le dernier représentant. Ouais, c'est plus ou moins les Burnout. Hein. Sinon, t'as peut-être deux, trois ans. Ouais, aux États-Unis, il y en a peut-être sûrement, parce qu'il y a plusieurs jeux pauvres aussi, mais bon, voilà. Donc, Destruction Derby 2, vraiment très bon. Certainement, à titre très personnel, le meilleur représentant du genre. Alors, c'est très de stock car. Donc, voilà. C'est une vidéo assez survoltée, hein. C'est amusant. Et je suis désolé pour la blague sur, sur la blague sur les Didi, mais il faut avouer que ça m'a échappé et que c'était tentant de le dire. Puis bon, c'est bon, on rigole, vous merde. Vous avez l'humour, allez, on est beau. Les gens qui règlent le mot Gaspichou, ils ont de l'humour quand même. Donc voilà. Des merdes, hein. Donc voilà. Donc, The Jeune Derby 2, c'est cool.